Bonjour, bonsoir, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler d'un sujet que j'ai pas vraiment abordé jusqu'ici sur ma chaîne YouTube. Alors faut savoir que voilà, je vous parle très souvent d'influenceurs, de YouTubeurs, je vous parle un peu de polémiques, de drama. Enfin vous êtes au courant, vous savez à peu près ce que je fais sur ma chaîne maintenant. Sauf qu'il y avait un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et que j'avais un peu aussi envie d'aborder tout simplement, c'est le sujet de Instagram. Pas forcément que Insta, mais le milieu vraiment de la route, photos, de Facetune, de Photoshop, tout ce qui touche aux influenceurs entre guillemets qui retouchent leurs photos. Je tiens juste à vous dire qu'à aucun moment j'ai quelque chose contre les gens que je vais citer, voilà, on m'a juste demandé de parler de ça, j'en parle, voilà. Moi-même je me retouche sur Instagram, j'ai l'application Facetune, je me lisse la peau, je m'éclaircis les yeux, bref, je fais plein de trucs sur mes photos Insta, moi-même je le fais, donc je vais vraiment dénigrer personne, mais j'avais juste envie de parler de ce sujet, de donner mon avis, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, comme à chaque début de vidéo, vous annoncez qui est l'abonné du jour. À chaque vidéo, il y a une personne qui aura une pub de ma part, donc qui aura son Instagram affiché en début de vidéo. Aujourd'hui, l'abonné du jour, c'est Morco Chrome. Désolé si je dis grave mal ton pseudo, mais du coup, voilà, tu as commenté ma photo, donc voilà. Aujourd'hui, c'est toi l'abonné du jour. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez également apparaître dans ma prochaine vidéo et être l'abonné du jour, vous devez tout simplement venir sur mon Instagram, vous devez vous abonner et vous devez tout simplement commenter ma dernière photo et ensuite je tire au sort et si vous voulez être l'abonné du jour, vous savez ce que vous avez à faire. Donc on va commencer dès maintenant à parler du sujet principal de la vidéo, c'est parti. Yo, let's go way, way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around and wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat, yeah, I'm that bitch that does it like that. Alors premièrement, on va aborder un peu tout ce qui est sujet français, c'est-à-dire Instagrammeur français, youtubeuse, youtubeur français. Donc dans la partie France, vous avez été nombreux à me demander Kiara AMT. Alors Kiara AMT, c'est une fille qui s'est fait connaître principalement sur TikTok, Musical.ly. En fait, cette fille, elle a grave percé aussi également sur Instagram, puisque du coup, voilà, elle est super super jolie. C'est une fille, voilà, on dirait un peu une poupée et tout. Et du coup, voilà, elle a beaucoup beaucoup d'abonnés sur Insta. Du fait qu'elle soit énormément exposée et énormément connue sur Instagram, il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à la prendre en photo sans qu'elle le sache, où il y a pas mal de photos d'elle en soirée, photos d'elle à la piscine sans maquillage, enfin plein de photos qu'ils ont commencé à tourner sur elle. Et ces photos en question, les gens les ont envoyées simplement à des comptes gossip, des comptes d'actu, etc. J'ai vu une photo de Kiara, enfin des photos de Kiara qui étaient postées sur le compte gossip influenceur, je crois, bref, où on voit Kiara sur Instagram et Kiara dans la vraie vie. Vous voyez la différence et que vous fassiez votre propre avis. Moi, je vais réagir vraiment à une comparaison qu'ils ont fait entre deux photos, donc entre deux photos de Kiara qui étaient très jolies pour moi sur les deux photos. Bref, la photo qui a été sur Instagram, c'est celle-ci, et la photo qu'ils ont mis pour illustrer la réalité de Kiara entre guillemets, c'est cette photo là. Donc je pense tout simplement que déjà dans la photo réalité où on voit son vrai visage comme ils disent entre guillemets, je pense que Kiara n'est tout simplement pas maquillée. Je pense que sur cette photo elle est pas vraiment maquillée puisqu'on peut voir qu'elle a des cernes, enfin il y a pas, enfin aucune imperfection n'est cachée. Donc déjà dans cette photo je pense tout simplement qu'elle n'a pas été maquillée, donc c'est pour ça que on peut apercevoir ses imperfections comme ses cernes. Je sais pas trop comment cette photo a fuité, mais je sais pas si c'est une photo de sa vie privée ou quoi, mais je trouve ça un peu chelou, genre ça voudrait dire que quelqu'un de son entourage, de ses proches, etc. a envoyé une photo, puisqu'on voit que Kiara est en robe comme si elle a un mariage ou un anniversaire, je sais pas, et que derrière il y a une dame assez âgée, enfin une dame plus vieille qu'elle quoi. Bref, je suis d'accord que sur sa photo Instagram elle est facetune, c'est à dire qu'elle a la peau lissée et qu'elle s'éclaircit les yeux, mais honnêtement c'est pas un truc qui va me choquer, genre en gros quand je vois les deux photos je me dis pas waouh, c'est pas la même personne, vous voyez, elle reste jolie quand même en gros, genre enfin je me dis pas waouh en fait elle est trop moche en vrai, enfin elle reste jolie. Ensuite on va passer à une autre fille qui s'appelle Paola LCT. Là je vais pouvoir un peu plus juger parce que c'est une fille que j'ai déjà vue en vrai, que j'ai déjà vue à des soirées ou bref, ou que j'ai déjà vue dans la vraie vie. Donc c'est une fille tout simplement qui s'est fait connaître sur YouTube, elle a eu une vidéo qui a fait pas mal polémique, à la suite de ça elle a gagné énormément d'abonnés et aujourd'hui c'est une fille qui est énormément connue sur Instagram. Vous avez suivi récemment tout ce qui s'est passé sur Twitter, cette fille s'est fait reconnaître par Rihanna. De toute façon elle a pas le temps pour les critiques. On m'a envoyé cette photo mais j'ai pu la voir également sur le compte en question que je vous parlais tout à l'heure. On a une photo de Paola qui est tout simplement je pense en vacances vu le décor. Elle est extrêmement bronzée genre sur la photo, en même temps elle est en
vacances, c'est logique, contre une photo d'elle où elle est tout simplement pas maquillée, à moitié coiffée, où elle est tout simplement genre la tête sur une vitre de voiture et genre a fait une espèce de grimace. Donc je comprends pas le but de montrer deux photos aussi différentes. C'est-à-dire que n'importe qui, si vous prenez une photo au bord de la plage bronzée, vous allez être plutôt fraîche, et si vous prenez une photo où on vous prend en train de faire la grimace dans une voiture, vous allez pas avoir la même tête. J'ai vu pas mal de trucs sur Paola en mode Photoshop, ouais. Je vais vous dire un truc, franchement, cette fille, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et franchement, pour l'avoir vue en vrai plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai dû la voir trois fois, je crois, en vrai, c'est une fille qui est super belle. Et franchement, même sans maquillage, elle a une peau super jolie, sachant qu'elle est très très jeune. Donc sa peau, voilà, elle a pas d'imperfection, vraiment. Sur Instagram, certes, elle éclaircit ses yeux, ça se voit comme moi je fais. Je trouve pas ça choquant, parce que franchement, quand je l'ai vue en vrai, c'est la même personne. Je me suis pas dit oh, what the fuck, grosse arnaque. Non, vraiment, c'est la même personne. Paola, je trouve que en vrai ou en photo, c'est exactement la même et il n'y a pas de différence. Pour l'instant, c'était vraiment les deux que vous m'aviez le plus demandé, c'était Chiara et Paola. Donc c'est un peu un sujet que je lance sur ma chaîne. Si vraiment ça vous intéresse, bah dites-moi des gens que vous voulez que je parle dans les commentaires niveau français. Maintenant, on va passer aux américaines et là, c'est un peu plus choquant. Voilà. Alors moi, premier truc qui m'a vraiment choqué, c'est-à-dire qu'il y a une fille que je suis depuis un moment. Je la suivais à l'époque de Musical.ly. Donc c'est une fille tout simplement que je trouvais trop trop magnifique. Je trouvais qu'elle avait un corps trop beau, genre elle avait une taille super fine, des fesses super bombées, enfin bref, vous avez capté, genre le modèle Insta de base. J'ai vu son vrai corps, genre j'ai vu comment elle était vraiment. Ça m'a gêné à quel point elle ment aux gens, parce que voilà, sur son Insta, elle a une taille de guêpe, elle a des fesses bombées comme never, et quand j'ai vu les photos d'elle dans la vraie vie, je me suis dit, what the fuck. Pour le coup, je me suis dit, est-ce que c'est la même personne? Donc on a cette première photo où tout simplement elle est, voilà, sur la première en espèce de en caleçon, je sais pas, bref, et elle a une taille maxi fine, elle a des fesses max bombées, alors que vous pouvez voir son vrai corps sur la droite. Une autre photo d'elle sur Instagram où on voit qu'elle a des fesses bien bombées, une taille toute fine, des seins, voilà, des seins conséquents. Et vous voyez la vraie photo où elle est pas pareille. Voilà un peu ce qui m'a gêné pour Kristen Hensher. Alors c'est vrai que j'ai pas jugé forcément à ce que j'ai vu là, parce que c'est vrai que vous allez me dire, mais mec, tu vois une photo, ça y est, tu juges la personne. Non. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé d'autres photos, etc. C'est juste flemme, vous avez vu, je vais pas vous mettre 40 000 photos, ça va vous casser les couilles. J'ai des gens qui l'ont vu en vrai et ils m'ont clairement dit qu'elle avait pas les mêmes fesses et pas la même taille. Par exemple, quand je prends mon exemple, ce que je fais, c'est que je lisse ma peau parce que voilà, j'ai des petits stars comme tout le monde. J'éclaircis mes yeux et fin. Genre, vous voyez ce que je veux dire. Mais elle, elle se remodèle le corps entier, c'est-à-dire qu'elle s'affine la taille, elle se grossit les fesses, elle change son visage, son nez, bref, genre, c'est même plus la même personne. Genre, franchement, moi je pourrais pas me changer à ce point là, genre en mode c'est comme si je faisais une photo de moi en maillot de bain, que je me rajoutais des abdos, que je me rajoutais des gros bras. What the fuck. Ensuite, encore une fois, on s'amuse à tailler Kylie Jenner. Tout simplement, Kylie Jenner, si vous savez pas, c'est une fille que j'aime beaucoup, voilà, c'est une fille qui m'inspire énormément, c'est une fille qui est très très jeune, elle a réussi sa vie de, voilà, elle est maman, elle a une grande entreprise, voilà, c'est une boss, enfin bref, j'aime beaucoup cette fille. Je sais que voilà, on peut la critiquer pour tout ce qu'on veut par rapport à la chirurgie esthétique, par rapport à plein de choses, elle a réussi sa vie, regardez où elle en est. Je suis d'accord, et je même si je l'aime beaucoup, je suis d'accord, hein, avec les gens qui disent qu'elle n'est absolument pas pareille entre avant sa chirurgie et maintenant. Je suis d'accord, il y a une énorme différence, elle a pas du tout la même forme de tête, pas la même bouche, pas le même nez, bref, elle est absolument pas pareille qu'avant. Je suis d'accord. Maintenant, je trouve que les gens avec Kylie Jenner, ils abusent toujours. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des photos où elle fait une grimace, une photo où elle marche dans la rue, elle est pas en train de poser ou quoi, genre elle marche, la meuf, elle est tranquille. Une photo où elle est limite allongée comme ça, et ils vont mettre voilà Kylie Jenner dans la vraie vie, pas comme sur Instagram. Pourquoi vous faites ça? Genre, en fait, les gens sont tellement jaloux d'elle qu'ils sont obligés de trouver n'importe quoi pour la dénigrer. Genre, je vais vous montrer encore une fois un exemple que j'ai vu sur Instagram. Donc on a une photo de Kylie où elle est tout simplement devant son miroir en train de faire un selfie miroir, quoi. Et une photo d'elle dans la rue où tout simplement, je sais pas, genre elle est en train de lever les yeux au ciel, elle est saoulée. Et genre, les gens ont mis Instagram vs real life. Mais j'aimerais bien voir la tête qu'a la personne qui a posté cette photo quand elle marche dans la rue, ou quand elle, enfin, par rapport à ses réactions en temps réel. Enfin bref, Kylie, elle était pas en train de poser, elle était pas en train de... Enfin, je comprends pourquoi on s'acharne autant sur elle, genre à prendre des photos d'elle. Ça y est, elle va lever les yeux au ciel. On va dire, what, regardez, Kylie, elle est moche. Enfin, on s'acharne sur elle dans le sens où n'importe quelle tête qu'elle va faire, où elle va pas être jolie, on va forcément l'afficher et dire, regardez comment elle est dans la vraie vie. C'est plus de la jalousie, je pense que c'est plus des gens qui sont jaloux, parce que aujourd'hui, grâce à la chirurgie
chirurgie. Elle a le corps que pas mal de gens rêvent d'avoir, c'est-à-dire qu'elle a des fesses, elle a une taille fine, bref, c'est un peu la mode d'avoir un corps comme ça. Donc je pense que voilà, les gens trouvent n'importe quoi pour tout simplement la dénigrer, se sentir mieux dans leur peau peut-être, je sais pas. On m'a aussi envoyé le corps de Kate Moss. Oh putain, j'ai fait un vieil accent. Kate Moss, si vous la connaissez pas, c'est un grand mannequin international qui est connu dans le monde entier. Enfin bref, je pense que vous connaissez Kate Moss. Donc on m'a envoyé une photo d'un shooting qu'elle avait fait pour un magazine ou pour une marque, je sais plus, bref. Où clairement, cette photo, tout le monde était choqué de la taille fine qu'elle avait. En fait, tout le monde était en mode, mais what the fuck, genre la meuf a une taille parfaite, genre. Donc je crois il y a un an, quand elle est partie en vacances sur un yacht, il y a des paparazzi qui ont commencé à la prendre en photo. Et à ce moment-là, elle est pas moche. À aucun moment je vais la dénigrer. Elle est pas moche. Elle a un corps de femme, entre guillemets. Elle a un corps lambda, comme tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, moi, ce qui me choque encore une fois, c'est que par rapport à ce qu'elle montre dans les magazines, quand vous regardez le corps qu'elle a, elle est absolument pas grosse, elle est pas difforme, elle est pas moche ou quoi, mais elle a un corps lambda, genre comme vous et moi, genre, ça se trouve vous êtes plus mec qu'elle, mais bref, un corps lambda, comme la voisine d'à côté, bref, elle a un corps normal, et en fait, je me rends compte que, encore une fois, on complexe pour de la merde, parce que elle, c'est un grand mannequin, elle est à l'affiche de plein de magazines, et en fait, au final, elle a un corps exactement comme le mien, limite. Je me fixe des objectifs en mode, je veux une taille plus fine, je veux ceci, je veux cela, alors que même ces gens-là, en fait, au final, ils sont comme moi, parce qu'ils arrivent pas à arrêter de bouffer de la merde. Par rapport à l'image qu'elle véhicule dans les magazines, c'est-à-dire la plupart des gens qui regardent ces magazines, c'est des filles de 13 à 18 ans, ou des mecs de 13 à 18 ans également, bref. Voilà, c'est des gens qui vont vouloir avoir le même corps, qui vont complexer, alors que encore une fois, c'est un corps qui est presque inatteignable, enfin, c'est vraiment une taille fine qu'elle a, genre. Voilà, même avec du sport, je suis pas sûr qu'on puisse atteindre ça, enfin bref. Donc voilà, arrêtez de complexer, aimez-vous comme vous êtes, vraiment, parce que, comme vous le voyez, c'est que du fake. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2 où je vous parle d'autres stars. Également, si vous avez des suggestions de stars dont vous voulez que je parle, ou que vous trouvez des articles, des trucs, bah vous pouvez tout m'envoyer sur Instagram comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne également, bah appuyez sur le petit bouton s'abonner et activez la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très très bientôt. Je vous aime très très fort. Bye.